Bonjour et bienvenue, nouvel épisode Wolong en NG+. Faudrait que j'apprenne les noms. C'est Dragon Ascendant, pardon. Allez, c'est parti. On a fait partie 1, partie 2, on a fini les turbans jaunes, maintenant on va commencer partie 3. Donc c'est la récupération du vieux sage. Bataille principale, il y en a deux. C'est parti, on n'a pas changé de build pour le moment, on est toujours pareil. Donc sorte de mage de combat là. Ça marche très bien, ça marche très bien. On tourne sur du poison, feu et glace. Surtout feu, poison, parce que la glace, morale 15 quand même, hein, pour pouvoir la faire. Après j'ai regardé un peu, j'ai testé un peu les autres magies, bon. C'est pas très très intéressant. En tout cas pour moi. Non. Parce que je parle de sortilège maintenant, j'ai envie de les prendre. Donc on va changer, on va reprendre Sun... on prend Sun Jian pour le finir. On va prendre Sun Jian pour le finir. Et je voudrais... Sun Yu. Et on va le remplacer avec Hongjing. Hongjing, on l'a déjà... Aussi, il y a aussi une chose intéressante, c'est que Hongjing, elle va vous augmenter vos dégâts des sortilèges. Donc c'est vrai que ça c'est une bonne chose. Si vous voulez faire des bons dégâts avec les sortilèges. Il y a aussi le dragon, moi j'ai ça. Mais honnêtement il est pas utile pour moi, il est vraiment pas utile. C'est vraiment parce qu'il y a le taux d'obtention d'équipement. Qui peut être potentiellement intéressant, mais c'est tout. Mais moi il me faudrait le dragon. Le dragon là qui met des debuffs, il est super bien. Je sais pas si je peux lui passer dans le dos. Voilà. Voilà, je fais de la merde. D'accord. Il est fait de la merde. C'est pas grave. Pas deux fois, pas deux fois. Merci bien, mais pas deux fois. Voilà. Mais il est difficile ce jeu, dis-moi. Très difficile. C'est ça, c'est le... Honnêtement, Nioh c'est... Enfin, Nioh, pardon. Wolong, c'est la limite. Il est à la limite des jeux de ce style que j'aime. Par contre, j'ai pas de... J'ai rien du tout. Peut-être qu'on devrait tuer un peu des trucs d'abord. Et merde. Ah, ça va, il est que 5. Il est un peu lent, le singe, il me fait un peu peur avec ses mouvements. Merde. Voilà, très bien. Genre Sekiro, je n'aime pas. Alors, Sekiro, je n'aime pas du tout parce que bah, ça marche que en contre en fait. Et j'avoue que Wolong, c'est à la limite en fait du système que j'aime. Encore heureux que ça garde quand même l'esprit Nioh. Hein, encore. Je sens que je vais me faire tuer par les hérissons. Les hérissons. Oh la vache, il s'est arrêté, il a explosé devant moi, c'est trop bizarre. Bon, ça va, on est full vie. On est full vie, on est bon. C'est parti. J'ai pas regardé les tigres. Combien? Je peux pas le target. Ah, c'est 10. Ouais, 10, c'est pas énorme en fait. Ouais, non, c'est pas énorme. Hey les mecs! Ah merde.
Mais putain, monte Mais tu te fous de moi? Ah, le machin, quoi. Bientôt, on va avoir le poison. Comme ça, on va pouvoir bien casser l'esprit. On va prendre le... Après, honnêtement, ils sont partis dans une difficulté stupide, hein, dans Wulong. Hein. Faut être honnête, hein. Une difficulté intelligente, c'est genre changer les ennemis, par exemple. Pas vu. Oh, 7000 et quelques. Putain, il est contre moi, c'est une catastrophe. Okay. On a vu que ça a fait des dégâts à son allié. Enfin, à l'autre hérisson, je crois. C'est bizarre. Mais ouais, on est parti dans une... Je suis un peu déçu de ça. On est parti dans une difficulté stupide, c'est-à-dire très simple. C'est, on va augmenter le moral des monstres. Et voilà. Et basta, quoi. Il n'y a rien d'autre. Merde, je l'ai mal timé. Ah, bon. Je crois que Niyo avait fait mieux, j'ai un doute parce que je me rappelle plus vraiment, honnêtement. Pour les difficultés supérieures, je crois qu'il y avait plus de démons et tout ça. Enfin, il y avait du plus gros démon, je crois bien. Ou alors c'était... C'était peut-être... à partir de la difficulté encore supérieure, peut-être. Je suis plus trop sûr. Mais bon, ouais, pour l'instant, on est dans une difficulté stupide. J'aime pas trop ça. C'est pas fun, en fait. Exactement les mêmes monstres... Font juste plus mal, lol. Très bien. Chaque fois, donc, je buff mon épée, ce que je fais, et je fais ça. Merde. Ok. Voilà, j'ai tout merdé. C'est bon. Ah, faut que je m'avance un peu plus, quand même. Parce qu'on peut pas... On peut pas courir à l'infini non plus. On est à 8. 8, c'est très bien. Là, on a le panda. Donne-moi un truc niveau 5, s'il te plaît. Je sais pas. On lui donne un truc niveau 4. Pas niveau 4, 4 étoiles. Voilà. T'es bon, hein, chat. Ouais, d'accord. Parce que quand on donne du 3, des fois, il donne du 4. Enfin, honnêtement, souvent, il donne du 4. Donc si on donne du 4, peut-être qu'on a du 5. Ok, très bien. Est-ce que on peut revenir en arrière si on continue par là, je crois. Là on a le gros truc. Ah.
Merde. Fais de la merde, ça va me coûter ma vie. Non, il est trop loin. Ah, les dots, hein, marchent bien. Hein. Très bien, les dots. Ah non, on peut pas revenir en arrière de là. Enfin, on fait pas on fait pas une boucle, en fait. Donc, faut que je revienne en arrière de moi-même. Allez, c'est parti. Alors, hop. Très bien. Let's go. Il y a un objet par terre, je crois. Oh, je faisais pas attention. Sérieux? Non, ça va. Je crois que... Je crois qu'il m'avait touché. Mais en fait, il est que 10. D'accord. Peut-être celui-là, il est plus... T'as été bête. Bon bah c'est bon, on avance. Par où? Par là-bas. Là par contre on va faire un carnage encore une fois, c'est un monstre d'une grosse taille. Donc oui. Quoique, ah non, peut-être qu'il est immunisé contre la glace lui. Il me rappelle bien. Ouais, non, ça peut-être pas être aussi simple que ça. Parce que je crois qu'il fait de la glace. À la limite, le mieux, ce serait la foudre. Il faudrait bois 40, en fait. On pourrait faire, oui, le déluge, là, de foudre. Ouais, ça peut être pas mal. On entend toujours le feu, je sais pas pourquoi. Ah, oh, il est juste derrière moi. J'ai pas le temps. Esprit, tout ça. J'aime bien jouer comme ça, rapidement et tout, c'est sympa. Là, je me suis fait one shot. Pas mal. Je me suis fait one shot. Ah, c'est chiant pour lui mettre le feu. Oh la vache. De la merde. Ah, fait chier, on l'a loupé. Bon, par contre, ça fait pas beaucoup de dégâts, mais ça lui fait quand même des dégâts de... d'esprit, en fait.
Oh. Non. Bon, il fait très mal lui par contre, il fait extrêmement mal. Ah, je l'ai vu le coup, mais... Bon, ça va, nous aussi on fait mal, hein, honnêtement. Ben, c'est vrai qu'on est 15, ouais, ouais. On n'a pas beaucoup de... Je crois qu'on n'avait pas vraiment plus de morale que ça, en fait. Ah, j'ai pas mes renforts. Ouais, c'est pas grave, on peut faire solo. Peut-être plus facile solo, en fait. Allez. Ah. Pas du tout ça que je voulais faire. Pas du tout ça que je voulais faire. Mange ton putain d'élixir, merci. Ah! Ah oui, c'est vrai qu'il crache devant. Bam! On a gagné. On va plus facile en... Ah, oh, le casque de l'insolent, je voudrais bien en 4. Plus facile en solo, en fait. Très simple, même, en solo. Là, la difficulté, en fait, du truc, c'est que bah, la magie la plus intéressante, donc qui est la glace, qui fait extrêmement mal et tout, bah, vous pouvez pas l'utiliser. Et je crois que la foudre, c'est pas trop, trop efficace. Mais bon, après, là, le poison. Le feu était un peu chiant à mettre. Il me fallait absolument le boost, là. Ouais, il me fallait absolument le boost. Mais ouais, ça peut aller. Il nous a one-shot, quand même. Complètement one shot. On a combien d'objets? 285. Donc, ça c'est fait. La chute de l'eunuque. Non. Si. Si, c'est ça. C'est bien ça. Ah, ça va être un peu long, ça. Ouais, bon, ça va. Ça va peut-être être le dernier de notre épisode, on va voir. C'est pas celui-là qui commence au fond, là, dans le puits? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus si c'est ça, en fait, ou pas. Ouais, c'est celle-là. Alors, renfort.
Et Kaokawa, on va l'enlever. Ça, c'est bien qu'ils aient au moins pensé à pouvoir enlever les personnages en fait qui sont imposés dans la mission. Mais je crois qu'on peut le faire seulement en New Game Plus. Hein. Ça m'étonnerait qu'on puisse le faire en normal. Je sens que ça va être relou ici quand même. On pourrait descendre et tout direct, mais j'ai pas envie. Yuan Shao. Hey Yuan Shao, ce serait embêtant que tu retournes ta veste et que tu sois méchant. Mais non, mais sans déconner quoi. Aïe 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 aïe. Faut pas lui tomber dessus. Ah d'accord. Tu m'expliques comment tu m'as vu? Par contre il fait super mal. Merde, pas te faire foutre. Fait chier. Il a fait son attaque évidemment quand je fais la mienne. Hein. Sinon c'est pas drôle. J'ai l'impression d'être un peu à la ramasse en dégâts, non? On fait... Je tue plus en un seul enchaînement, en fait. Niveau 3. Bon, après, ça va venir avec le moral. Ah mon dieu, saute. Ok. Il y aurait des... des effets aussi que personne connaît. Des effets genre défense de la faille ou des trucs comme ça. Personnellement, je suis quasiment certain que c'est genre les abysses de Wulong en fait. D'accord. Je compterai quand même. Je suis sûr que c'est les abysses de Wulong en fait, la faille. Genre ça se débloque peut-être après les DLC ou alors quand on finit cette partie du jeu, j'en sais rien. Mais je suis sûr que c'est ça. Merde, toi! Je te déteste le jeu. Oh là. Merde! Putain, j'en ai marre. Oh là là! Mécanique de merde. Quelle mécanique de merde. En fait, il faudrait avoir plusieurs sets pour différentes parties du jeu. Genre, si vous voulez monter votre moral très vite, vous prenez de l'équipement avec, genre, booster le moral quand on tue des ennemis. Je vais encore regretter ça. Je l'ai pas contré, mais je me suis pas pris, ça va. Il nous faut le... la clé surtout. La clé elle est en bas.
Bon. Bah. Bon, on va peut-être se concentrer un peu. Ça m'embête de... Ouais, non, honnêtement, là, on fait de la merde. J'aurais pas dû attaquer avec l'autre à côté. Ouais, non, non, on fait complètement de la merde. On va même en crever. Ah bah oui, avec des zombies, tiens. Me la cible pas, merci. Oh putain, bouge! Ah, j'ai. Oui, non. Non, non. Là, là, je fais de la pure merde. Et ce qui m'embête, c'est que je vais devoir me reposer et ça va respawn tout le monde. Pas besoin de se reposer maintenant. Elle est où la clé? Elle est sur le côté gauche, je crois. Je crois que oui, elle est là. Arrête d'esquiver, faut peut-être pas exa... Putain, toi. Même j'ai plus de... Oui, j'ai plus de soin, en fait. En plus, elle est presque morte, je crois. Ouais, plus presque mort. Ouais. Est-ce qu'on peut faire... On peut tenter un truc. D'accord. Prends quasiment rien. Elle moins aggro les autres ou pas? Oui, parce que j'arrive pas à bien cibler, bordel. On peut faire ça. Voilà. On a récupéré. Bon, bah c'est bien, on n'est pas mort. Ça, c'est parce qu'ils sont boostés en dégâts quand ils sont dans l'eau. C'est pour ça qu'on a... Bah, que les autres ont pris cher et que bah, moi aussi. Enfin, moi, j'ai fait de la merde parce que j'ai attaqué alors qu'ils étaient deux. Mais bon. Ok, je crois que c'est 3 et 3. Ici. Donc, on a tous les drapeaux.
Qu'est-ce qu'on fait? On fait encore le tour. Je sais qu'on a des objets à récupérer derrière des... derrière des portes. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup en fait. Je pense qu'on peut avancer, honnêtement. On n'est pas vraiment là pour farmer à fond non plus. On est là juste pour faire tous les drapeaux et avancer et faire la mission. Et puis celle-là, elle est quand même vachement longue. Donc, hein, voilà quoi. On va reprendre les deux, surtout pour les monter. Très bien. Let's go, boss. Genre là, qu'est-ce que ça va être de juste de l'équipement. Voilà. Bon, après, c'est... Oui, c'est du 4 étoiles. Enfin, je voudrais bien un truc des équipements 5 étoiles, genre des armures, ou alors... je sais pas, quelque chose d'intéressant, parce que là, bof. Ça va être très relou de la combattre. Ok, elle n'a pas le feu. Ah, j'ai... Elle m'a tué. Allez, 13. Ah, c'est chaud. Mais j'ai bloqué... Enfin, j'ai... Non! Non, je t'ai contré, ça va. Ah, je lui ai cassé les... D'accord. Ah oui, c'était pas sûrement en fait, c'est pour ça que ça m'a foutu ma merde. Vite, vite, vite. Bon, on va le faire solo, hein, parce que là... Wouah, t'es sérieux? Merci le lag. Merci le lag quand elle s'est écrasée au sol. Ça m'a aidé, ça m'a vachement aidé pour contrer. C'est pas mal, ça. Par contre, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé exactement. Genre, j'aurais pu la contre-attaquer parce qu'elle était sonnée. Et après, on lui a coupé, en fait, les serpents. À la place, quand j'ai refait du feu par-dessus. Aïe, aïe, aïe. Par contre, ouais, bah les boss font très mal, hein, parce qu'ils ont un... ils ont un moral élevé. Un peu débile. Ouais, je crois qu'on... Ah non, si, ça les casse automatiquement. Non, elle va me tuer. Ah, j'ai le... J'ai cru qu'il était pas chargé. Oh merde. Waouh, on s'est pas pris le debuff. Enfin, pas le debuff, l'attaque. Oh là là. Quoi, ça lag? Mais t'es sérieux, le jeu? Putain, d'optimisation de merde, ouf, quoi.
te lag pas. Lag pas parce que là elle est morte. Ouais, merci. Putain. Ah là là. Ah, l'optimisation sur PC est catastrophique. Catastrophique, c'est une horreur. Enfin, il est arrivé. Ouais, solo, c'est honnêtement plus facile. Honnêtement plus facile, hélas. Enfin... pas avec l'NPC, en tout cas, je veux dire. Non, pas voyager. Renfort. Sanjian, il est à 2. On pourrait faire ça. Comme ça, on n'a pas besoin de... Kao Kao, il coûte rien parce que c'est, il fait partie de l'histoire. Zhangjiao. Très bien. Et là, on a eu quoi? En deuxième. Ah, celle-là, je l'aime bien d'attaque. Ah. Merde. Ah, c'est celle-là. Dégâts d'esprit des arts martiaux. Durée des sortilèges. Il a quoi? Montant d'esprit perdu. Oh la vache. Oh, je crois qu'on a l'épée parfaite en fait de comment on veut la jouer. Parce que dégâts d'esprit des arts martiaux, c'est... Attends, c'est vrai, non, c'est bon. On demande les dégâts d'esprit infligés par les arts martiaux. Nous, on a... dégâts d'esprit d'armes à éléments. Mais du coup, c'est les mêmes pourcentages. 3, 6. Donc du coup, ça, c'est mieux, parce que quand on fait... parce que c'est déjà, c'est vachement utile. Enfin, c'est vachement puissant. L'impact tonitruant, de base... Donc du coup ça marche bien, et là on a durée des sortilèges, donc c'est comme ce que j'ai, ce qui est bien. C'est pas les mêmes pourcentages par contre. Ouais, c'est 5-6 et nous on a 6%, bon c'est pas grave. Après on a vulnérabilité spirituelle à l'ennemi. Et oui, bon, enfin, bah, après ça on s'en fout, on peut l'enlever. Vulnérabilité spirituelle à l'ennemi, on a ça ou pas? Non, on n'a pas. Intéressant, on a une très bonne épée. Je crois que... Oh, ça m'embête, l'autre on l'a augmenté à plus 9. Je crois qu'on va passer sur celle-là en fait. Là, c'est tout ce gâchis quoi, de matériaux. Pas pour gâchis. C'est pas difficile non plus en avoir, hein, mais ouais, là on a une meilleure attaque, une meilleure seconde attaque que je peux utiliser, parce qu'honnêtement ça c'est nul. Ça c'est vraiment nul. Donc je peux utiliser l'autre, même si honnêtement, je vais être franc, je vais sûrement jamais le faire. Mais c'est pour dire, voilà, elle est là quoi. Et surtout, on a dégâts de l'art martiaux. Et ben, c'est l'art martiaux en fait qui fait vraiment beaucoup de dégâts en esprit. Donc là, j'avoue que ça vaut le coup. Je vais le regretter. Non, ça va. Si, je me fais un peu bolos. Je connais tes petits couteaux là. Un bracelet d'assassin. Faut que je regarde si on peut pas se faire un setup assassin.
te marche pas. Poussez-vous quand je tape. Merci. J'aime bien parce que l'autre il a essayé de sauter, je crois. Taper en l'air. Ouais. Évidemment. Évidemment. En plus, le dragon, il était prêt quand on s'est fait toucher. Évidemment, il fallait que les deux viennent et surtout qu'ils fassent des attaques en même temps. Débile, quoi. Débile complet. Ah, je suis tout seul. Putain. Ah, super. Waouh, terrible. Ah mais attends, je peux les rappeler ici. Ouais, enfin attends. On va le faire comme je veux moi. Voilà, très bien. D'accord. Voilà. Ça, c'était ma stratégie. Surtout qu'ils sont aveugles comme pas possible. Ah, parfait. On est à 15. Oh mon dieu. Oh, bientôt, il y a... Il y a Project Zero 4, le remake qui sort. Ça m'intéresse beaucoup, ça, par contre. Hop, très bien. On va combattre sur le toit. Il doit être en bas en train de monter, je pense. Merde! Évidemment. Très bien. Le tigre. Fais chier, il faut que je... Non, mais je vais arrêter parce qu'il faut que je rappelle mes mecs, là. Mais sinon, ils vont jamais monter. Merde. T'es sérieux? Oh, je bloque, là, merci. Mais putain, mais... Voilà, merci. Sans déconner, quoi, c'est ouf. Mais ouais, il faut que je les... Faut que je les rappelle. On peut prendre le... Celui-là, là-bas. Ah, c'est qui le protège?
quoi ça là-bas? Une méduse? Non, c'est lui. Ah putain. On est que 16, c'est chiant. Ouais. Bien joué, bien joué. On est que 16, maintenant on est 15. Parce que je fais de la merde. Mais va te faire mettre, maintenant on est 14, c'est bien. Non mais c'est top, top le système. Ah mais c'est vraiment, vraiment fun, hein. Bon, on va bien. Oui mais tu vas trop vite, c'est pour ça. Oui, bah oui mais bon. C'est un peu relou quoi aussi, hein. D'être lent et tout ça, de faire attention, tout. Moi j'aime bien en découvert, c'est cool, hein. Quand on connaît, j'ai envie d'avancer, mais bon. Je peux rien utiliser parce qu'il me faut du moral et tout, enfin bref. Ah, vous connaissez la rengaine, hein. Le truc le plus secret au monde, le petit drapeau là, c'est abusé quoi. Voilà, très bien. Voilà, 17. Ça c'est mauvais quand la bravoure et le moral sont au même niveau. C'est très mauvais. Ça veut dire que vous faites de la merde, honnêtement, ça se traduit comme ça. Et merde! J'ai un crève. Voilà. Oh putain. Oh putain. Très bien. Je déteste cet endroit. Regardez-moi ça. Regarde, c'est beau, hein. C'est beau, hein, le décor qui apparaît. Lag parce que ça arrête pas de décharger, recharger les assets. C'est une horreur. Regardez-moi ça. C'est une catastrophe. Par contre, j'ai l'impression que lui, il a des trucs super cool. Zhang Jiao, là. Avec le bâton. Genre, il le balance et tout, et j'ai l'impression qu'il peut buffer, il peut se soigner, en fait. Avec son bâton. Bizarre. Faut que je récupère ça m'intéresse. Bon bah du coup on peut avancer en fait, on a tout. Il y a juste le dernier gros drapeau à mettre. Ça va, c'est ça tue. Non, pas par là. Un problème quand même. Mais
Putain, je vais sauter dessus, bordel. Oh mon dieu. Mais pourquoi j'ai sauté? Putain de merde. Oh là là. Il y a un truc horrible avec les multicoups là, comme ce qui s'est passé là. C'est que vous pouvez bloquer en fait le premier, mais vous pouvez bloquer les autres aussi. Et ce qui se passe, c'est que des fois vous faites toucher. Genre le premier coup, puis après vous bloquez le reste. Et bah ce qui se passe, bah, vous perdez du moral quand même. Bon bah on est 20, on est que 20, c'est bien. Allez, on rappelle les zigotos. Ouais, Zhang Jiao, ça a l'air intéressant. Coup du bâton là. La seule qui avait un truc un peu sympa avec le bâton, c'est d'où vient l'équipement là. La fille, la sœur de Lu Bu. Mais au final, le coup du feu là, c'est de la merde. Ah mais c'est lui, j'avais oublié. Oh mon dieu, on va passer un mauvais quart d'heure. Non mon dieu, il n'y a pas de FPS. Merde, je crois que c'est lui le... Ouais. Ça, c'est le vrai, ça. Oh là là, les dégâts. Oh. Tu peux, genre, taper le mec au lieu de tourner autour? Qu'est-ce que tu me fais, là, le... Ah, d'accord. Pas mal. J'arrive pas. J'arrive pas, j'arrive pas, j'arrive pas. C'est bien. Bon là, il faut de la défense. Hop là, bloqué. On va bien récupérer Zhang. Faudrait que j'essaye autre chose pour leur détruire le... ça. Ok, on va faire ça. On va spammer ça en fait.
Très bien. Voilà. C'est ce que je faisais en fait sur mon premier, ma première fois, où j'avais un combo comme ça et ça détruisait les clones en fait. Ils ont pas de, ils ont pas vraiment de d'esprit. T'es un clone toi ou pas? Non. Mais arrête de me pousser! Ouais, ça c'est dangereux vraiment. Oh merde. Tellement bien. Ouais non, mon attaque, hein, mon attaque est nettement mieux. Pour les clones, là. Le coup de l'épée, ça faisait extrêmement mal. Ça détruisait le ki en fait. Pas le ki, l'esprit pardon. Ça détruisait l'esprit surtout. Bon, bah c'est parfait. Et maintenant, on peut entamer l'épopée de Lobu. Enfin, de Dongzhuo. Parfait. Après, je pensais qu'on allait avoir un peu plus de mal avec l'armure légère. Mais en fait, pas du tout. Sabre 100 fois forgé. C'est pas mal, ça. Défense d'esprit de l'Alliance. Augmente la défense d'esprit pour vous et vos alliés. C'est pas mal. Le roi Fushai. Ça, c'est aussi c'est nos dégâts infligés en cas de condition désespérée. C'est... feu, bois et terre. C'est pas mal, ça. J'en ai pas des comme ça en plus. Enfin, j'ai l'impression que c'est la première fois que je vois une lance comme ça. Ça va être pas mal aussi. Bon après c'est des 4 étoiles, je vais pas les garder, hein, mais c'est pour dire, c'est pour regarder vite fait ce qu'on a. Le prince Egemon. Séparation de l'herbe. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est Changpu. Ok, ok. Okay. Ouais, y a rien de... ouais, non, y a rien de très intéressant. On a même rien eu de 5 étoiles, c'est désastreux. Bon, on avait dit que on voulait cette épée-là, la lame guide. Oui, celle-là, elle peut être mieux. Parce qu'en plus ça fait double c'est potentiellement extrêmement dévastateur du coup, parce que là c'est dégâts d'esprit donc avec l'art martiaux, donc ça c'est bien. Et là ça fait vulnérabilité spirituelle, donc ça augmente le montant d'esprit qu'on perd. Alors s'il faut, le debuff il se met au tout début en fait de notre animation, c'est-à-dire que dès qu'on touche on fait genre quelques dégâts là qu'on court, qu'on commence à courir. Du coup il aura peut-être ce debuff dès le début. Et donc ça veut dire que pendant tout le moment de l'animation, donc quand on court sur l'ennemi comme ça là, et quand on tape à la fin, ben, il y aura le debuff qui sera actif. Donc ouais, potentiellement, très bonne arme. Et merde, putain, c'est vrai qu'il y a... oh là là. C'est vrai qu'il y a ce système où il vous demande si vous voulez l'équiper. Vous venez d'augmenter l'arme, il vous demande si vous voulez l'équiper. Je vois pas pourquoi. Et ils nous en foutent. Genre, laisse-moi l'augmenter, l'arme point barre. Je vois pas pourquoi ils ont rajouté ce système-là.
Genre augmenter une arme ne veut pas dire que je veux l'équiper, hein. Genre arrête de me mettre des trucs que je demande pas, quoi. Je sais équiper une arme. C'est vrai qu'on peut pas comparer. Ah. Oui, c'est vrai que je l'avais déjà équipé, en plus je suis con. Mais ouais, sabre courbé. Et du coup, avant nous on avait ça. Alors là, il y a l'accumulation d'altération sur les ennemis qui est parti. On a un peu moins de durée de sortilège, mais c'est 0,4. Donc ouais, théorie, on devrait être mieux. On devrait pouvoir détruire l'esprit encore plus avec cette arme-là. Avec cette variante, en fait. Ah, j'avais fait un build arc, mais je pense pas que ce soit très utile. Ah oui, tiens, on va remettre les... Alors, poudre draconique. Même si j'utilise pas vraiment ces objets, mais bon. C'est là, quoi. Et ben voilà, ça va être la fin de notre épisode. Ça se passe très bien. Il faut des flèches, encore une fois, comme d'habitude. Ça se passe très bien, je suis content. On a une belle variante de l'épée. On a une très très belle variante de l'épée avec des bonnes stats. Donc très content de ça. Donc on va continuer à l'utiliser celle-là. Et on va voir un peu les dégâts que ça fait. Après je me demande si ça vaut le coup d'avoir... l'équipement en entier. Ça peut être intéressant. Augmente la durabilité de l'esprit. Augmente le montant d'esprit gagné en parant. Augmente le gain d'esprit en attaquant. Et après c'est ça. Dégâts d'attaque esprit. Plus 6%. 6% c'est gros, hein. Ah non, 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 attendez. C'est PV infligé par les attaques d'esprit. D'accord. Okay. J'ai cru que ça détruisait l'esprit. Non, en fait, non. Non, non, c'est pas ça. Mais ouais. C'est pas mal. Peut-être que je vais voir si j'ai... Bah oui, maintenant j'ai l'équipement de Sun Jian. Ah, je vais voir si je peux pas... me faire un stuff de Sun Jian. Et oui. Parce que j'avais pas fini Sun Jian en renfort. Du coup, j'avais pas son équipement en entier. C'est pour ça que je l'ai pas fait. J'avais juste droppé une épée, en fait, qui était très bonne. Mais ouais, on va voir. Peut-être pour la prochaine vidéo, je me mettrai en Sun Jian, on verra. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.